Salut à tous, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA V Online pour vous présenter tout simplement une toute nouvelle méthode pour avoir le Joker noir sans la mission conflit d'intérêt du centre d'opération mobile et sans l'activité repo, tout simplement la team. Du coup, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela, ça me ferait extrêmement plaisir. Une fois ceci dit, n'hésitez pas à checker les chaînes des potos en description, la team, ainsi qu'à me rejoindre dans mon Discord, tout simplement, les liens seront en description. Une fois ceci dit, revenons tout simplement au glitch. Pour faire ce glitch, il va vous falloir posséder un complexe avec la mission nom de code Bogdan, tout simplement. Si vous n'avez pas la mission de Bogdan, vous allez demander à un ami qui a la mission de vous la lancer, tout simplement, la team. Et vous pouvez aussi la récupérer grâce à la mission de préparation, récupération des disques durs, tout simplement, la team. Ça fait partie des missions de préparation de l'acte 2 du Bogdan. Ou bien, si vous avez le Bogdan, vous la lancez ou vous demandez à un ami de vous la lancer. Une fois ceci dit, vous devez également mémoriser quelques emplacements des ammunitions sur la map. Parce qu'une fois que vous serez bugué, vous n'allez plus avoir la minimap et vous n'allez plus avoir accès au menu options pour pouvoir vous repérer. C'est pour cela qu'il va falloir mémoriser les emplacements des ammunitions avant de commencer la manipulation. C'est très important. Une fois tout ceci dit, la team, vous êtes prêt pour le glitch. Du coup, let's go, c'est parti la team! Allez hop, une fois prêt comme moi, vous allez devoir maintenir le bouton PS. Vous allez avoir le menu rapide. Ensuite, vous allez sur son et périphérique. Sur son et périphérique, vous allez descendre tout en bas. Vous allez placer votre curseur sur éteindre le périphérique. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton PS pour revenir dans le jeu. Une fois avoir fait cette manipulation, vous allez tout simplement vous rendre à votre complexe et lancer la mission Bogdan tout simplement. Si vous n'avez pas la mission comme moi, vous allez demander à un ami de vous la lancer tout simplement. Pour ma part, j'ai pas la mission, du coup je vais demander à mon ami de lancer l'activité pour moi. Du coup, une fois que mon ami a lancé l'activité, il va devoir m'inviter. Une fois que j'ai reçu le message, je vais devoir rejoindre mon ami à travers le téléphone. Mais si vous avez la mission, vous devez la lancer tout simplement. Dans les paramètres de l'activité, vous allez mettre tout simplement difficulté difficile. Ou bien vous allez demander à votre ami de mettre difficulté difficile. Ensuite, vous allez lancer l'activité tout simplement. Du coup, on lance la mission. Une fois dans la mission, une fois dans le tableau de bord de la mission, vous allez demander à votre ami de vous mettre dans l'équipe sous-marine tout simplement. Du coup, et lui, il doit se mettre dans l'équipe aérienne. Du coup, si c'est vous qui avez la mission, vous allez rester dans l'équipe sous-marine et votre ami doit rester dans l'équipe aérienne tout simplement. Du coup, celui qui veut récupérer le Joker noir, il doit être dans l'équipe sous-marine, très important. Ensuite, vous allez lancer la mission. Une fois dans les choix de tenue, vous allez tout simplement aller sur style de tenue. Vous allez mettre KO et vous allez descendre sur tenue. Vous allez mettre le malicieux tout simplement. Du coup, c'est cette tenue la team. Il y aura le jogger noir comme moi sur le gameplay. Vous avez bien vu. J'ai le jogger noir tout simplement. Du coup, une fois ceci fait, vous allez vous mettre prêt tout simplement et patienter que l'activité, la mission se lance. Une fois dans la mission, vous allez devoir vous éloigner de votre ami. Ensuite, vous allez devoir vous suicider soit avec une bombe collante, soit avec une lance-roquette. Pour ma part, j'utilise une bombe collante, du coup, on va la placer. Ensuite, on va faire flèche de gauche pour se suicider. On aura la cinématique, vous êtes mort, tout simplement, comme moi. Ensuite, la team, vous allez avoir un message, la mission nom de code Bogdan échoué. Vous allez tout simplement remonter dans le ciel. Vous allez avoir le menu reprise qui va s'afficher. Votre ami va devoir faire X pour continuer la mission et vous allez patienter tout simplement la reprise en bas à droite. Du coup, on patiente. Une fois que la reprise terminée, vous allez tout simplement avoir un petit rond de chargement. Dès que vous avez le petit rond de chargement, vous allez maintenir PES comme moi. Vous allez éteindre le périphérique. Ensuite, vous allez avoir ce message d'alerte. Sur ce message d'alerte, vous allez tout simplement patienter 50 secondes voire une minute. Pendant ce temps, votre ami, il aura la cinématique de la reprise de la mission tout simplement. Et une fois qu'il sera dans la mission, il va devoir vous dire s'il a eu un flash d'écran tout simplement, la team. Il aura un flash d'écran noir tout simplement.
Une fois qu'il aura eu ce flash, il va devoir vous dire et vous allez devoir faire PES tout simplement comme moi. Mon ami, il vient de me le dire, du coup je fais PES et vous allez revenir dans le jeu. Vous serez complètement bugué, vous allez plus avoir la minimap. Vous n'allez plus pouvoir faire option, vous pouvez même pas faire sortir votre téléphone. Vous êtes complètement bugué, vous allez devoir vous rendre à la mination. C'est pour cela qu'au début de la vidéo, je vous ai dit de repérer une amination tout simplement avant de commencer la manipulation. Pour ma part, j'ai repéré cette amination tout simplement avant de lancer la mission. Une fois arrivé à votre amination, vous allez devoir entrer. Et si vous ne pouvez pas entrer dans l'amination, vous allez devoir demander à votre ami de quitter l'activité tout simplement. Pour ma part, j'ai réussi à entrer parce que mon ami, il est très loin de moi. Mais des fois, il y a un bug. Si vous ne pouvez pas, vous allez demander à votre ami de quitter tout simplement l'activité et vous allez pouvoir entrer. Une fois à l'intérieur, vous allez devoir acheter une oreillette vers l'espace des équipements. Et une fois avoir acheté l'oreillette, la team, vous allez devoir sortir du magasin. Ensuite, vous allez devoir soit rejoindre un ami à travers la partie vocale, soit vous allez rejoindre un ami dans l'espace communauté, soit vous allez fermer le jeu tout simplement. Pour ma part, je vais rejoindre mon ami à travers la partie vocale. Du coup, je vais faire PS, partie vocale, afficher le profil. Et dans afficher le profil, vous allez tout simplement sur présentation. Vous allez aller sur jeu en cours et vous allez cliquer sur jeu en cours. Vous allez cliquer ensuite sur rejoindre et vous allez tout simplement avoir la récupération des détails de la session. Ensuite, vous allez avoir le message d'alerte que vous allez accepter. Et une fois que vous avez accepté ce message, vous allez avoir un long chargement, accès à GTA Online. Et vous allez respawn tout simplement dans la session de votre ami avec votre jogger noir sur vous. Une fois avoir spawn avec la tenue, vous allez devoir vous diriger soit au magasin de vêtements, soit à l'ammunition. Ensuite, vous allez vous diriger vers les chaussures et vous allez cliquer sur n'importe quelle chaussure et boum, vous allez avoir les chevilles invisibles. C'est bel et bien un jogger noir, tout simplement la team. N'hésitez pas à aller en profiter tout simplement au maximum. Une fois l'avoir changé les chaussures, vous allez tout simplement sauvegarder la tenue, tout simplement, et c'est terminé. Du coup, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que cette nouvelle méthode va vous plaire, tout simplement. N'hésitez pas à le faire au maximum, tout simplement, avec la mission de Bogdan. Si vous n'avez pas la mission, vous allez demander à un ami de vous la lancer, tout simplement. Sur ce, moi, je vous laisse sur ces images. C'était Aquatex. Allez, go la team. À la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.